Bienvenue sur Naturog. Non pas M. Emmanuel et pas oublier que Naturog c'est un channel qui là pour aider ou gérer santé ou une façon qui naturelle. Jodi a dans l'émission nous pral parler de vinaigre pomme. Pour qui ça li important pour que ou consommer vinaigre pomme là et qui façon ou capable faire ça. Tout d'abord faut nous dire que vinaigre pomme là li gagne un goût acide. Donc c'est ça qui fait que li intéressant pour que ou capable diluer li, ça veut dire brasser quantité ou boire dans un petit d'eau comme ça ou capable diminuer goût acide là. Gagne un excellent boisson que on fait avec vinaigre de pomme que relé cocktail de Jarvis. C'est une boisson qui est vraiment intéressant parce que li pral permettre que ou rejoigne force ou rejoigne vigueur, vitalité lorsque ou consommez boisson ça. Et puis tout c'est une boisson qui assez bon tout pour fièvre. Donc si que ou gagne une fièvre, eh bien si ou fait cocktail de Jarvis là rapidement la voyez fièvre ça jeté. Et si toutefois ou t'abre cocktail de Jarvis là, ça veut dire boisson que nous parlons trop fait avec vinaigre de pomme qui bon pour bon force qui bon pour fièvre là, et bien si toutefois vous t'a fait une boire boisson ça fièvre là li aller et li retourner, et bien nous conseillons pour que alwe yon médecin parce que naturellement cocktail ça est supposé voyer fièvre là aller et voyer l'aller net. Alors qui gens ou capable faire cocktail de Jarvis là, et bien c'est très simple. On juste prend yon petit de l'eau, ou ap mette li chauffé, pas bouilli, chauffé pour que li capable un peu tiède. Ou ap mette là-dedans yon cuillère vinaigre pomme. Ou ap mette là-dedans tout yon cuillère sirop miel et puis ou ap brasser li, ou ap boire li. Donc la pre bon force et j'en nous dis là, la aide avec toute vieille fièvre qui t'a venu pour craser zo. Gen l'autre remède encore ou capable faire avec vinaigre pomme là. Gen un problème de santé qui relé halitose. Donc halitose là c'est un problème côté que moun nan alen nan li manke fraîche. Okay? Donc lorsque levé dans matin, on capable sentir que bouche là li un peu pâteuse, c'est comme si on gêne là dans li. Et ça qui cause ça c'est une de vieilles bactéries qui produit dans bouche là pendant que ou ap dormi. OK? Donc une façon qu'on capable gérer ça, eh bien on capable faire ça avec vinaigre pomme. Comment on va faire recette ça? Eh bien on capable prendre une cuillère vinaigre pomme ou mélanger les avec 8 onces d'eau et ensuite ou laguer là-dedans une tranche citron et ou boire les avant que ou al coucher. Ça a permettre que ou lever avec une haleine qui fraîche. Mais pas oublier que nous dit que vinaigre pomme là il a un goût acide très prononcé là-dedans et citron en tout nous connaît que il gagne acidité là-dedans. Donc si vous avez un problème l'estomac, eh bien nous pas conseiller ou boire vinaigre de pomme là le soir. OK, nous pas conseiller pour capable faire ça. Et si vous avez gros problème dans l'estomac, eh bien avant que vous consommez boisson qui gagne acidité, il est bon pour que vous demandez médecin soignant est-ce qu'on capable boire boisson ça. OK, il est très important parce que domaine santé ou pas jouer ensemble avec ça. Mais si vous avez un problème ça yo, eh bien vous capable faire remède composition que nous boyons sans problème. Vinaigre de pomme là tout, il gagne capacité pour que li aider ou perdre du poids. Donc si ou même c'est un monde qui en surpoids, ça veut dire un monde qui gros et ou t'a remet perdre du poids, eh bien vinaigre de pomme là li capable aider ou. Qui gens ou pral le faire? Eh bien, lorsque ou fin manger, eh bien, après quelques minutes, ou prend un cuillère vinaigre pomme, ou mettre le dans un petit l'eau tiède et ou boire li. Ça qui pral permettre que graisse que ou t'es consommé dans manger ça, eh bien, vinaigre de pomme là pral éliminer graisse qu'ou fait consommer. Hein? Donc graisse ça li même li pa pral aller dans l'organisme là pour que li capable ajouter sous graisse que ou t'es gagné déjà. Cependant, l'important pour yon moun qui vle maigrir ou moun qui vle perdre du poids, faut que effectivement ou gagne un bon hygiène de vie. Donc, si nous parlons de hygiène de vie, qui ça nous voulait dire? Faut que ou veille qui ça que ou ap manger, à qui l'heure tout que ou ap manger. Donc, ou pas qu'à vle perdre du poids, et puis ou
nan consommer sucre en pile ou nan consommer graisse en pile ou manger à n'importe qui l'heure. Donc, les ça, même si ou bouquet bre vinaigre de pomme, etc., eh bien, nous garantissons que n'est pas vraiment fait rien pour vous. Donc, faut qu'on bon hygiène de vie, faut que vous fassiez sport, faut que vous dormiez bonheur, faut que vous connaissez ça que vous mangez et qui façon que vous capable de manger. Donc, c'est ça tout que les jeunes intermittents que vous capable de faire, mais c'est pas sujet vidéo ça. Dans l'autre vidéo, nous capable plus parler de sujet ça. Donc, si ou même son monde qui gagne enquête, eh bien, vinaigre de pomme là, tout est capable d'aider. Mais cette fois-ci, ou pas diluer li avec de l'eau, ou pas juste prendre une cuillère de vinaigre de pomme ou brûler. Donc, faut nous dire que li pas agréable, mais ou capable brûler et li capable d'aider avec problème enquête que ou gagne. Donc, pas oublier tout que vinaigre de pomme là, c'est un antibactérie qui très puissant que vinaigre de pomme là, lui-même, lié. Donc, si vous avez un problème gastrique, si vous avez une crampe dans l'estomac, vous êtes capable de boire une tasse d'eau chaude avec une cuillère de vinaigre de pomme là-dedans. Mais cependant, ça nous besoin qu'on ait que médicaments sont médicaments qui sont naturels ou bien un médicament qui sorti dans le laboratoire, nous devons toujours songer que là où fait excès, pas bon pour vous. Ok? Ça veut dire, c'est pas parce que n'a parlé là de médecine naturelle, eh bien, pour qu'on ait, ou capable de consommer produits ça, nan quantité ou pipito, li important pour que ou capable respecter dosage que yo ba ou. Donc nous espérons que vidéo ça a aidé ou gérer santé ou pi bien. Cependant, information que nous bay la yo pas remplacé médecin soignant, ça veut dire docteur que ou habité suivre. C'est très important pour nous mentionner parce que dans le domaine santé, c'est un domaine qui est très fragile. Donc si nous choisi aider ou nous même tout faut que nous capable fait ça une façon pour que nous pas gain problème avec loi dans pays nous. Alors si pour qu'on fait ça nous encourageons pour faire ça kounia avant que vidéo a fini pour que vous capable activer cloche notification hein, pour ou abonner pour pas rater l'autre vidéo nous. Et j'en ai toujours tout ça, eh bien santé ou li intéresse nous et nous aimons en pile, nous souhaiter que ou même avec famille ou rester en santé. Continuez suivre channel naturel là pour plus remèdes naturels. Bye bye et dans une prochaine vidéo.